Bonjour les enfants, nous allons faire une troisième vidéo de résolution de problèmes. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous rappeler ce que je vous ai dit dans les deux premières, c'est que résoudre un problème, ce n'est pas que faire des opérations, c'est aussi faire du français. C'est-à-dire qu'il est très important de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de l'énoncé. Je vais vous lire le premier problème et puis vous allez essayer de le faire tout seul et puis on fera la correction ensemble. Dans la salle informatique, il y a 24 chaises pour s'asseoir. 12 filles et 7 garçons se sont déjà installés, ainsi que le maître. Combien de chaises libres reste-t-il? Voilà. Je vais vous laisser essayer de résoudre ce problème seul. Et puis, quand vous aurez fini, on fera la correction ensemble. Donc, je vais vous demander de faire pause pour pouvoir essayer de faire le problème sur votre cahier. Dans 3, 2, 1, pause. Bon, voilà les enfants, si vous avez remis la vidéo en lecture, c'est que vous avez terminé d'essayer de résoudre ce problème. Vous y êtes arrivé ou pas, on va voir ensemble, d'accord? Donc, je vais relire l'énoncé et on va essayer de souligner les points qui sont importants. Dans la salle informatique, il y a 24 chaises pour s'asseoir. 12 filles et 7 garçons se sont déjà installés, ainsi que le maître. Combien de chaises libres reste-t-il? Alors, voilà, toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on attend de moi? Parce qu'en fonction de ce qu'on attend de vous, vous n'allez pas prendre les mêmes informations et pas réfléchir de la même façon à ce que vous allez avoir là dans l'énoncé. Donc, on veut savoir combien de chaises libres il reste. Ce qui veut dire qu'on a une salle informatique, au départ, on a un certain nombre de chaises, hop, hop, elles sont vides. D'accord? Et puis, certainement que des gens viennent s'asseoir dessus. Là, par exemple, je vous ai dessiné quatre chaises, d'accord? Si j'ai trois personnes assises, il me reste une chaise libre. C'est ça qu'on me demande, d'accord? Voilà. Donc, on me demande combien est-ce que j'ai de chaises qui sont libres. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Maintenant, on va regarder le reste des informations. Donc, dans la salle informatique, il y a 24 chaises pour s'asseoir. D'accord? Donc, au départ, on parle de 24 chaises. On a fait rentrer 12 filles et 7 garçons qui se sont déjà installés. Alors, s'ils se sont déjà installés, d'accord, ça veut dire qu'ils sont en train d'occuper des chaises. Donc, ils ont enlevé un certain nombre de places qui étaient libres. D'accord? Donc, on va commencer comme ça. D'abord, on a fait rentrer les filles. Elles étaient 12, elles se sont installées. Comme nous avions 24 chaises au départ, et qu'on veut savoir celle où il n'y a personne d'installé, d'accord? Si j'installe 12 filles, il va falloir que j'enlève 12 filles à 24 chaises. D'accord? Je vais enlever 24 sur 24 des places libres que j'avais. J'en ai 12 maintenant qui sont occupées par des filles. Donc je vais enlever 12 puisqu'on veut savoir combien on a de places où il n'y a personne assis. 4 moins 2, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Donc une fois que les 12 filles se sont assises, il reste 12 places. D'accord? Donc j'en ai 12 là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai 7 garçons qui se sont assis aussi. Donc sur les 12 qui restaient ici, d'accord? 24 moins 12, ça fait 12. On doit encore en enlever 7. D'accord? Moins 7. Alors comment on fait? Là, on ne va pas s'amuser à casser une dizaine, tout ça, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on a déjà 12. D'accord? Donc on va partir de 7 en mettant 7 dans sa main et on va compter jusqu'à 12. Je pars de 7. Je compte 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc, pour l'instant, il me reste 5 places. Mais que vois-je? Je vois que le maître aussi s'est installé. D'accord? 12 filles et 7 garçons se sont installés, ainsi que le maître. Donc le maître aussi est assis. Et s'il est assis, il prend une des places qui reste. 5 moins 1, il reste donc 4 places. Il reste donc 4 chaises libres. D'accord? J'espère que vous avez compris. Nous allons passer au problème d'après. Alors voilà le problème d'après. Louisette a planté 27 salades dans son potager. D'accord? Elle a planté les salades dans son jardin. C'est un potager. Un potager, c'est un endroit où on fait pousser des légumes. Elle a fait 3 rangs identiques. Combien de salades y a-t-il dans chaque rang?
Voilà les enfants, je vais vous laisser essayer de résoudre ce problème sur votre cahier, d'accord? Et donc vous allez faire pause. Pause dans 3, 2, 1, pause. Alors les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de résoudre ce problème et on va voir, on va essayer de le corriger ensemble, voir si vous avez trouvé la même chose que moi. D'accord? On va relire l'énoncé. Louisette a planté 27 salades dans son potager. Elle a fait 3 rangs identiques. Combien de salades y a-t-il dans chaque rang? Alors, ce qu'on me demande, c'est de savoir combien il y a de salades dans chaque rang, sachant qu'il y a 3 rangs. C'est-à-dire que Louisette a planté quoi? 27 salades et elle les a réparties sur 3 rangs. Alors, je vais dessiner les rangs. D'accord? Voilà, hop, 3 rangées. D'accord? Donc dans ces rangées, on sait que si elle les a réparties, c'est-à-dire qu'elle a fait 3 rangs identiques, ça veut dire qu'elle a fait 3 rangs qui ont la même taille. Il y a autant de salades ici qu'il y en a ici, qu'il y en a ici. D'accord? Donc la première technique qu'on peut utiliser, les enfants, c'est si j'en ai autant ici, autant qu'ici, autant qu'ici, en tout, je sais que j'en ai 27, d'accord? Je peux m'amuser à les distribuer, comme je distribuerais des cartes, une carte à toi, une carte à toi, une carte à toi. D'accord? Donc ça, c'est la première technique. Donc je peux commencer à dire, eh bien, j'en donne 1, 2, 3, ensuite 4, 5, 6, et je vais compter jusqu'à 27. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Vous voyez, en distribuant d'abord là, ensuite là, ensuite là, mes 27 salades, d'accord, et un tour chacun, j'ai pu avoir un nombre de salades dans chaque rang qui soit identique, d'accord? Puisqu'on a fait 3 rangs identiques, ce qui veut dire pareil. Alors combien j'en ai là? J'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Est-ce que j'en ai bien 9 à côté? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Donc je peux déjà dire, avec cette technique-là de dessin, qu'il y a 9 salades dans chaque rang. Mais regardez bien comment j'aurais pu réfléchir. D'accord? Je sais que l'ami Louisette, d'accord, a fait 3 rangs. Et dans chaque rang, elle a mis la même quantité de salade. Vous êtes d'accord qu'elle a fait 3 fois un certain nombre de salades. Parce que maintenant, je sais que c'est 9, mais au départ, je ne sais pas. D'accord? Donc, elle a fait 3 fois. Là, c'est 3 fois 9. Elle a fait 3 fois un certain nombre de salades. Donc, si je ne le sais pas et que j'ai compris ça, je peux regarder ma table de 3 et voir si, au fur et à mesure que je fasse 3 fois 1, 3 fois 2, j'arrive vers quelque chose qui se rapproche de 27. Donc 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, c'est pas bon, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, j'y suis pas encore, d'accord? 3 fois 6, 18, 3 fois 7, 21, ah, je me rapproche, d'accord? 3 fois 8, 24, ah là là, je suis de plus en plus près, et 3 fois 9, ça fait 27, d'accord? Donc je pouvais aussi réfléchir comme ça. Je dis j'ai 27 salades, elle a fait 3 rangs identiques. Donc elle a fait 3 fois un nombre de salades. Et ce 3 fois quelque chose de salade, ça doit faire 27 salades. D'accord? Donc vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. D'accord? Ce qu'on a fait là, en fait, les enfants, je vous le dis, c'est les débuts de la division. Et vous allez voir, on va le refaire plein de fois. Et ça ne sera pas compliqué, vous allez comprendre. Voilà, maintenant, on va passer au problème suivant. Alors les enfants, je vais vous lire ce problème-là et puis on va essayer de le résoudre ensemble. L'architecte Duclos construit une tour de 59 mètres de haut. Elle mesure 14 mètres de plus que la tour de l'architecte du Genou, qui, elle, mesure 10 mètres de plus que la tour de l'architecte du Blé. Quelle est la hauteur de la tour de l'architecte du Blé? Voilà, vous allez faire pause sur la vidéo et essayer de résoudre ce problème sur votre cahier. Vous allez faire pause dans 3, 2, 1, pause.
Alors les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de résoudre ce problème et on va essayer de le corriger ensemble. Alors les enfants, pour résoudre ce problème, il va falloir être très attentif et il va falloir bien comprendre ce qui a été dit dans l'énoncé pour pouvoir arriver à résoudre ce problème. D'accord? Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider du dessin. Qu'est-ce que je sais d'abord? Je sais d'abord que l'architecte Duclos a construit une tour de 59 mètres de haut. Voilà la tour de mon ami l'architecte Duclos. Elle fait 59 mètres. D'accord? Petit M ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait ensuite? Elle mesure 14 mètres de plus que la tour de l'architecte du genou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une autre tour, la tour de l'architecte du genou, et que celle de Duclos est plus grande de 14 mètres. Elle mesure 14 mètres de plus que la tour de l'architecte du genou. Ça veut dire que la tour de l'architecte du genou, elle est plus petite que la tour de l'architecte Duclos, puisque la tour de l'architecte Duclos, elle fait 14 mètres de plus que la tour de l'architecte du genou. D'accord? Donc on sait que celle du genou, elle est plus petite. D'accord. Donc ça, on le sait. D'accord? Elle est plus petite de combien? Si la tour de l'architecte Duclos mesure 59 mètres et qu'elle mesure 14 mètres de plus que la tour de l'architecte du genou, ça veut dire que si on veut connaître la taille de la tour de l'architecte du genou, il va falloir enlever les 14 mètres qu'elle a en plus. Ici, il y a 14 mètres en plus, d'accord? Donc, la vraie taille, d'accord, de cette tour-là, de la tour du genou, ça sera 59 moins 14. 9 moins 4, ça fait 5. 5 moins 1, ça fait 4. Donc, on sait maintenant que la tour de l'architecte du genou, elle, fait 45 mètres. Elle fait 59 moins 14 mètres, moins les 14 mètres. D'accord. Qu'est-ce qu'on avait au bout? On disait, l'architecte du coup construit une tour de 59 mètres de haut, elle mesure 14 mètres de plus que la tour de l'architecte du genou, qui, elle, la tour de l'architecte du genou, mesure 10 mètres de plus que la tour de l'architecte du blé. Donc, la tour qu'on a là, dont on sait maintenant qu'elle fait 45 mètres, d'accord? On sait qu'elle mesure 10 mètres de plus que la tour de l'architecte du blé, d'accord? Ce qui veut dire que la tour de l'architecte du blé est plus petite que la tour de l'architecte du genou. Donc ça, c'est la tour du blé. Et elle est plus petite de combien? Eh bien, on sait que la tour de l'architecte du genou, elle, mesure 10 mètres de plus, ici il y a 10 mètres, que celle de Dublé. D'accord? Ici, il y a 10 mètres en plus pour arriver jusqu'à la tour. D'accord? On a 10 mètres en plus. Ce qui veut dire que si on veut savoir quelle est la tour de la taille du blé, et ça tombe bien puisqu'on nous demande quelle est la hauteur de la tour de l'architecte du blé, il va falloir enlever 10 mètres aux 45 mètres de la tour du genou, puisque la tour du blé fait 10 mètres de moins que la hauteur de la tour du genou. Donc on a 45 et on va enlever 10. 5 moins 0, ça fait 5. 4 moins 1, ça fait 3. Donc la tour du blé, elle, fait 35 mètres d'eau. Vous voyez, c'était un petit peu compliqué parce que là, il fallait vraiment, vraiment écouter et bien comprendre. Eh bien, j'espère, les enfants, que vous avez compris, et puis je vous souhaite bien du courage.